Hop, 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 rebonjour. Alors, on se retrouve ben, toujours dans la série des shoots. Donc, comme tout le monde, je profite un petit peu des promos qu'on peut trouver à droite à gauche sur le net pour investir dans tous ces petits jeux de boulettes que je n'ai jamais eu le temps ou l'opportunité d'essayer. Aujourd'hui, je suis tombé sur Skyforce qui a quand même plus de 10 ans si on remonte l'historique jusqu'à ses origines. C'est sorti à l'époque sur PC. Et puis, ça a été converti sur smartphone ensuite. Et là, en 2014, ils ont ressorti une nouvelle version. Remaster HD The Death Qui Tue. Et en fait, le jeu est rudement sympathique. Alors, c'est pas un gros shooter dans le sens avalanche de boulettes qui fait mal. Je vais juste baisser un petit peu le son. C'est plutôt du jeu qui joue sur la refaisabilité. Pas mal là. Oui, là on est bien. Donc un jeu qui mise plutôt sur la rejouabilité, c'est-à-dire qu'il va pas vous apporter énormément de challenge au démarrage. Vous allez vous retrouver avec un petit vaisseau qui fait piou 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 en vous demandant un petit peu ce que vous foutez là. Mais par contre, sur la durée, il va y avoir des objectifs plus ou moins prioritaires ou secondaires, c'est selon, que vous pourrez vous approprier à loisir pour déverrouiller des nouvelles choses dans le jeu, de ce que j'ai compris. Faut pas m'en demander plus parce que pour l'instant j'ai juste fait un lancement de partie pour voir la tête que ça avait et si c'était un truc qui méritait d'être streamé. Donc on va regarder tout de suite de quoi il en retourne. Et lancer la petite bête qui profite pleinement du plein écran d'un PC qui est, comme vous allez voir, rondement réalisé et donne pas mal envie de s'investir un petit peu pour voir ce qu'il y a plus loin, si on peut atteindre des niveaux de difficulté où effectivement la boulette va commencer à se démultiplier et se déchaîner un peu. Départ! Alors départ, je vous brief la carte, ça c'est tout ce qu'il faut déverrouiller. Blablabli. À chaque zone, il y a déjà des objectifs qu'on voit avec les petits symboles jaunes qui sont déverrouillés et ceux qui sont absents, ben, reste à faire. À gauche, le hangar va vous permettre au fil des parties d'espérer envisager améliorer votre piou-piou de démarrage qui est quand même relativement minable. Qu'est-ce que j'ai en stock? On peut remonter sa santé. Bref. J'améliorerai bien mon canon principal, ça oui. Et plus tard, quand on aura plein de petites étoiles ramassées derrière les cadavres des vaisseaux détruits, eh ben, il y aura moyen de se faire plaisir avec pas mal de choses, y compris la méga bombe. Bon, augmentation de tir, ça sera pas un luxe. Ouf. Et c'est parti. À nous. Les joyeuses aventures. J'ai pas fini le niveau 2. Allez, c'est parti. Donc là, on a les objectifs qui vous sont proposés au fil du tableau. Alors, c'est un peu triste au démarrage d'avoir juste le tir. C'est un poil long de faire évoluer le vaisseau. Par contre, comme vous voyez, c'est très joli. Là, je rappelle, on est en QHD. Enfin, vous avez un stream en 1080, mais à la base, on tourne en QHD. Et c'est quand même bien mimi. Piou! Ah, je vous avais prévenu, c'est piou-piou. Alors, weapon upgrade, mais pour plus tard, quand je reviendrai au hangar. Nice. Comme Brice. Oui, je sais, elle était facile. Pour l'instant, c'est pépère. Hein. Vous allez voir qu'au fil du niveau, il va y avoir des petits trucs supplémentaires à faire selon les envies. J'arrive même pas à ramasser toutes les étoiles. J'arrive même pas à flinguer tout le monde. C'est la fin du monde, moi je dis que. Et les éléments se déchaînent en plus. Donc pour dégommer ça, c'est vraiment pas la fête. Hein. L'autre qui rigole quand je tire dans la tourelle. En plus, je me suis pris une boulette, j'ai salement morflé. Je ramasse un petit peu ce qu'il y a par terre, ça serait une bonne nouvelle. Un petit prisonnier ramassé, on reste dessus. Hop hop hop. Yeah! Nice. Ah,
rien sur le museau. C'est un peu chaud de sortir comme ça des nuages. Piu 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 piu. Je sais pas ce qu'il y avait en bonus là-dedans, ça donnait envie. Nice. Et oui, toujours Brice. Bon, les tourelles, j'ai essayé de les faire péter là, les espèces de grosses tours. Il n'y avait rien dedans, donc ça m'a pas motivé à en fait davantage par contre. Ah, la vitesse de déplacement de ce damné avion est super long, c'est pénible. Good. Johnny B quoi. J'arrive prisonnier, ne t'inquiète pas. Avec mon piou-piou. Je pense pas dessus les hélicos, c'est pas très fair play. Oui, je sais. Ah, merci, on va perdre ça. Défend. C'est un peu limité. Alors quand on sort d'un Double Pachy ou d'un Crimson, forcément, on se sent vraiment au calme. Parce que niveau pilote, on prend son temps, on aligne, on tire, il n'y a pas trop de stress. Il n'y a pas trop de slalom non plus. Là, on s'en tient. Oh. Salut, je suis avec mon QQ, je tire et ça va bien se passer. Est-ce que je peux finir celui? Moi ou bah ça manque de super tir. C'est un peu triste. Prends, je vais te tuer jusqu'à ce que tu meurs. Copyright Hot Shots 2. Oh pardon. J'arrive même à me faire toucher quand même. Nice Milon. Oui, j'entends derrière le C, le M et le B. Bon, on va essayer d'achever maintenant qu'ils sont désarmés. Un petit coup de doigt, un petit coup de doigt. On ramasse les étoiles, c'est important. C'est apparemment le nerf de la guerre, c'est l'argent. Comme dans la vraie vie. Alors, la musique est vachement rigolote pour les gens qui ont connu les générations Amiga et Atari. Parce que ça, c'est ce qu'on avait typiquement dans Ibris, par exemple. Et c'est assez génial pour les papilles. Parce qu'on mélange lui. Ouais, délire. Faites ton glitter. J'arrive. Yes, il m'a donné. Donc voilà, c'est sympa comme truc. Maintenant, reste à espérer qu'au fil des niveaux, la difficulté va monter et qu'on va avoir droit à peut-être pas des avalanches de boulettes, mais bah oui, je suis pas connecté, Coco, t'as pas voulu te connaître. Pas des avalanches de boulettes, mais au moins des passages où on va mériter sa pitance. Qu'est-ce qu'on peut s'équiper? Allez, canon aérien, va falloir que je les attende, c'est là. 1000. Hein. Que faire? Jouer l'épargne ou investir? Vu le veau que je me traîne, je pense qu'un investissement sera pas un luxe. Continuons joyeusement notre périple. Blablabla, rien de trop surprenant.
Oui, mais j'ai pas encore les mains, monsieur. Faut l'acheter et ça coûte très cher et j'aimerais bien faire des upgrades de tir. Je pense que à ce niveau-là, le jeu force un peu la main pour qu'on joue et rejoue les mêmes niveaux histoire de tout déverrouiller pour upgrade le ship comme il faut. Vas-y, fais ton Jean-Claude Van Damme. Upgrade le ship et shoot in the baby. Oh, je suis un peu bestieux le sol. Nice. Et merde. Je sens que les humains vont commencer à rester au sol. Bon, sur la lisibilité, on a vu mieux. Vu que les gens ont vu faire joli, il y a des moments où c'est pas très lisible. Hein. Mais bon, ça fonctionne, ça reste joli, c'est agréable, c'est souple. Franchement, il n'y a vraiment pas de quoi se plaindre, hein. À part que, oui, le challenge esquive boulette se fait un petit peu désirer. Pas si je te ramasse, toi. C'est ce qu'on stoppe là. Comment on dit d'ailleurs pour les gens qui font du stop avec des avions? Nice. C'est pas des autostoppeurs. Des avions stoppeurs. Des aérostoppeurs. Comment on écoute tous les gens? Good. Ouais, je sais. Jean-Paul aussi, good. J'arrive. Ah, faut faire des choix des fois. Hein. Perdre sa chaîne. Cochonnerie. Perdre sa chaîne. Tuer une suite d'ennemis pour avoir du bonus. Dégager le sol pour mieux passer. Malgré la lenteur apparente, il y a beaucoup de dilemmes. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans, mon sang. Tu veux bien savoir. Hein. Que dalle. Quel note. Je suis extrêmement déçu. Bouge pas, mon gros, j'arrive. Ah, puis ils font la gueule quand on les ramasse pas. Alors, on peut pas tout avoir. Ah, bordel de. J'ai peut-être pas fait le bon choix là. Putain, j'ai pas fait gaffe. Alors, le petit détail, c'est que on a de l'énergie sur un bouclier, mais on n'a qu'une vie. Donc, quand tu perds, Coco, tu refais le niveau. Je ne vais pas vous en faire voir davantage, hein, c'était juste pour vous faire découvrir le titre. Donc, un jeu bien sympa, avec une réalisation tout à fait propre. Et qui n'attend plus que vos petits doigts pour venir titiller un petit peu le bouton tir Skyforce. C'est pas encore un prix donné hein, sur les sites de download. Il y a une solde dessus, mais elle n'est pas extraordinaire. Ça mériterait peut-être de baisser encore un petit peu, parce que je pense qu'ils en ont quand même vendu quelques-uns. Ne soyons pas pingres. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un stream qui sera soit plein de boulettes, soit surprise.